Cette année, la journée départementale des personnes âgées s'est déroulée sur la commune du Tampon. Un rendez-vous incontournable pour plus de 10 000 Gramounes venus profiter de cette journée organisée par le département. Donc, comme à chaque fois, on retrouve donc le village pays avec les producteurs agricoles qui viennent donc présenter leurs produits. C'est souvent des producteurs que l'on retrouve lors du marché pays, des produits transformés. Et un peu plus loin, vous avez également des forains. Près de 180 clubs de troisième âge avaient fait le déplacement pour assister à la messe et aux festivités de la journée. Ah, puis ça dansait l'après-midi. Mais ça dépend de ma béquille, moi. Ben, moi, j'ai eu un accident, mais là, ça va maintenant. Pour le cadeau avec le club, et pour pique-niquer, manger aussi, et pour acheter des fruits, quoi. Ben, écoute, la messe. Après ça, on a fait un pique-nique. On essaie d'être au plus près d'eux parce qu'il y a tous les renseignements, tous les administratifs du département sont là. Si les Gramounes ont besoin de renseignements, chaque stand est à leur disposition. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur faire plaisir. On démarre par la messe, ensuite il y a le bal de la poussière cet après-midi. Et donc ces Gramounes peuvent avoir tous les renseignements qu'ils veulent aujourd'hui sur ce site. Le président du département a félicité deux centenaires présents ce jour-là. Il a également remis le prix départemental du mérite à Joël Beg pour son engagement auprès de nos seniors. Et étant donné que tous les dimanches, on demande la troisième jeunesse de venir danser avec nous, aujourd'hui, j'étais dans le coup aussi pour l'organisation de cette journée. Vous voyez le public. D'après j'ai connu, là, on a dépassé les 150 bus aujourd'hui au Tampon. Alors, un coup de chapeau. Et bien sûr, dans tous les autres rassemblements, on n'oublie jamais la troisième jeunesse. C'est ma passion. Et si Dieu permet, moi, m'a essayé de continuer encore quelques années. Il y a besoin de donner de l'amour ici à La Réunion. Et nous donnons de l'amour à nos Gramounes par solidarité. Merci à la commune du Tampon, à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui ont participé à cette belle journée et à tous nos Gramounes, Bamidiazot, bonne santé, amusez-vous bien, soyez heureux. Une journée de fête qu'on apprécie dans la bonne humeur et autour d'un bon carry.